C'est quoi ça? Et voilà. Voilà.
bidon d'essence. Ah, t'en avais bien besoin. Ça y est. Voilà, on est sur la bonne voie. Bien sûr. On a quoi? Oh, mais où est-ce que je vais trouver un fusible, moi? Non, pas par ici. Un fusible, cool. Là, ça pourrait être bon. Merde, ça va rameuter tous les moutons à la ronde. Problème réglé. Eh bien... Bon... Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Un autre micro-enregistreur. Est-ce qu'un de ces trucs va me dire ce que vous foutiez ici? Ouais, un injecteur du Nero. Fasse mon rappel de vaccin de toute façon. Lâchez-moi, putain! J'ai dit lâchez-moi! Madame, nous allons revenir vers ça. Fait 12 heures qu'on est là. J'ai deux enfants malades à l'arrière. On veut juste. On n'a pas d'eau. On demande juste un peu d'eau. Madame, vous devez retourner dans votre véhicule tout de suite. Eddie, t'as une bouteille d'eau? Donne-lui. Tout ce qui nous reste. Donne-lui! Merci. Ok. Remontez dans votre véhicule. Oui. Nous allons en laisser passer plus très okay. Bientôt. S'il vous plaît. Merci. Je suis désolée. Je suis. Pardonnez-moi. Ferme la clé. Attends, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Je lui ai menti. Quoi? Il ne laisse passer personne. Le camp de réfugiés est plein. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas pour vous, mais j'ai un plan. Comment ça, t'as un plan? Je comprends pas. Non! Non! Quoi?
tous ces gens. Ça me rappelle ce que disait Boozer. Oh, tu parles d'une façon d'attendre la mort. Entassé, un checkpoint. Oh, je vais juste fermer un peu les yeux. C'est parti. Trop de mauvais souvenirs. Ça va pas s'ouvrir. Non. L'odeur, je dois plus être très loin. Là, un autre nid. Allez, au feu. Une zone d'infestation.
doit être par là. Il doit pas être loin.
t'as besoin. Ça doit le faire. Encore un nid. Tu vas brûler. Je savais pas. Ça y est. Ok, c'est bon. La porte, on a de la visite. Eh, hey, faites-moi entrer. Ouvrez les portes. Pas de vague, ok? Ils sont où, Tucker et Alkaï? Sur le site d'excavation. Lequel, bordel de merde? Le site nord.
Par là. Celui qui touche à ma moto, ou à mes affaires, il peut dire adieu à ses doigts. Si tu le dis... Putain. Je te le répète. Tout ça n'est qu'un champ de roches volcaniques géant. Sur 7 mètres d'épaisseur. Il nous faudrait des marteaux-piqueurs. Ha, pas la peine de me faire un putain de dessin. J'ai compris. Je crois pas, non. Hey, ces gens crèvent de faim. Même s'ils étaient en pleine forme, il leur faudrait des mois pour terminer avec des pelles et des pioches. J'en ai rien à foutre. On a tous faim, Al. Mais on doit finir de creuser, même si ça doit nous prendre une année. C'est pas comme si on avait autre chose à faire, pas vrai? Attends. J'ai pas fini. Dans ce cas, accouche, Al. J'ai autre chose à faire. Les Reapers. Ce matin, un de mes hommes a repéré un groupe qui traversait le col. Personne les a arrêtés? Putain. Tucker, tu sais qu'on manque d'hommes. Ils allaient vers le nord? Al! Est-ce qu'il venait vers nous? Oui ou non? J'en sais rien. Quoi? Qu'est-ce que tu me veux, du con? De quoi est-ce que tu me parles? Bon sang, Al-Kai! C'est pas à lui de savoir ça! C'est ton putain de boulot à toi! Je peux pas être à deux endroits à la fois. Soit je supervise le site d'excavation, soit je cours après les Reapers. Dans le No Man's Land. Fais l'inventaire des munitions qui nous restent. Wheeler va superviser l'excavation. Tu veux ma photo, toi? Non, ça va. J'attends juste que tu deviennes moins con. Stop! Est-ce que t'as retrouvé Léon? Contente que quelqu'un soit encore capable d'accomplir une mission. Allez, suis-moi. Ça fait combien de temps que tu nous as pas ramené un survivant? Ceux qui restent encore dans le No Man's Land, c'est pas le genre que tu voudrais pour ton camp. On a eu deux morts de plus. Hé hey, c'est pas mon problème. Retourne bosser. Si tu veux notre bouffe, fais-en ton problème. Je te l'ai déjà dit, on bosse pour toi, mais pas question de rejoindre ton putain de camp. À mon âge, on devient dur de la feuille. Rappelle-moi pourquoi. Parce que c'est une perte de temps, Tuck. Mais c'est que t'es un optimiste, toi. Où est Boozer? Il a dit qu'il allait faire un saut au camp de Copland pour essayer d'acheter du poisson. Dis-moi que tu roules pas pour Cope. Son camp est... Vu que les mutants viendront les déterrer, mais... Putain. Vous laissez ce truc brûler jour et nuit? Mais comment qu'on le laisse brûler? Avec tous les drifters qui bossent dans le coin, ça en fait des cadavres de mutants. Essayez en mettant plus d'essence. Ça brûlera plus vite et ça fera moins de fumée. Comme si on pouvait se le permettre. Quand on sera à sec, comment tu feras le plein de ta moto? Tu pisseras dans le réservoir? Qu'est-ce qui se passe encore? Le compte y est pas. Il manque de la bouffe et des munitions à l'entrepôt. C'est pas vrai. Qui était de garde hier soir? Wheeler. Double la surveillance ce soir. Ça commence à bien faire, ces conneries. C'est noté. Vous avez des soucis? Comme je disais, un camp, c'est comme une prison. Un ramassis de feignants, de menteurs, de voleurs, de violeurs et de meurtriers. Et tu sais pourquoi? Aucune idée. Parce qu'on est comme ça. Le cirque des mutants s'est chargé de faire le tri. Seuls les plus mauvais et hargneux ont survécu. Plus monstrueux que les mutants. Mais les autres sont là. À espérer que je leur offre le gîte et le couvert. Pour qu'ils puissent tirer au flanc jusqu'à la fin du monde. Hé, hey, toi! Remets-toi au boulot! M'oblige pas à aller chercher Cyrus! Bande de moi. Ils peuvent se tourner les pouces tant qu'ils veulent le soir, mais leur journée m'appartient.
Gérer un camp, c'est un peu comme gérer une prison. Je me souviens plus, t'étais quoi? Directrice de prison, un truc comme ça? Rien d'aussi important. J'étais gardienne chef du bloc des femmes. T'as le style à avoir passé du temps à l'ombre avant tout ça. T'as déjà été au pénitencier... Mais atterri en prison. J'ai du boulot pour toi. Larsen était de sortie hier. En passant près de Marion Fox, il a aperçu quelqu'un. On aurait dit une jeune fille, mais il l'a vu en coup de vent. Il s'est arrêté pour la chercher, mais il est revenu près de toi. Arrête de tirer au flanc. Il est sûr de lui. Larsen a autant de bouteilles que toi. Il sait reconnaître un humain d'un mutant. Mais t'es taillé pour cette mission. Trouve-la, avant que les mutants le fassent. Je vais voir ce que je peux faire. Mais d'abord, Tuck, je veux le reste de mes crédits. Pour Léon. Ramène-moi d'autres survivants. Et je te couvrirai de crédit. Wheeler. J'en connais un qui va passer la nuit au trou. Alkai. Tu veux quoi, Drifter? C'est quoi ton problème? L'un de mes hommes s'est échappé d'un camp du RIP, du côté d'Iron Butte. Évidemment, il s'est fait torturer. Mais cette fois, ils l'ont interrogé. Au sujet de deux motards, deux hommes. Pour savoir s'ils les avaient vus ou croisés. Il y a pas mal de motos dans le secteur. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Le Reaper a parlé de mon grêle. Combien de drifters portent encore leur couleur? En plus, on s'en fout. À mon avis, ta tête a été mise à prix. Ça fait quoi de devenir la cible? Je te demande gentiment de me montrer ce que t'as, parce que là, j'ai pas le temps pour tes conneries. Comme tu voudras, Dick. Tu m'en diras des nouvelles. Allez, va bosser. T'as besoin d'autre chose? Merci. Ok, ok. Je bouge pas. Maintenant, faut que je vois à qui je vais donner tout ça. On peut pas partir vers le nord tant que cette bécane n'est pas réparée. Va pour Copland.